Salut, je joue une partie contre Netrepa, qui nous vient de Hongrie, et cette fois-ci je vais jouer E4, pour changer un petit peu, bien que D4 soit ce que je connais le mieux. Donc là, après Kf6, il y a plein de coups, mais là je joue l'ouverture écossaise, avec plus précisément le gambit écossais. Je me donne provisoirement un pion. Après, les noirs doivent savoir quoi jouer. Si je me souviens bien, c'est D5 le meilleur coup. Après quoi, je cloue le cavalier. Je pense qu'il se décloue. Et après, je récupérerai le pion. Il y a aussi cavalier F6 qui existe. E5. Ah, c'est cavalier F6 le meilleur coup là, tout de suite. Ouais, ensuite E5. Et ensuite il faut jouer D5. Mais ça. Ça n'a pas l'air terrible, terrible pour moi quand même. De laisser ce pion en plan. C'est un coup tout bête, dame E7, mais je sais pas trop comment. Comment continuer à l'embêter après. Si je resacrifie un pion, je viens là. Il fait échec. Tac. Il peut même forcer l'échange de dames. Ça va pas.
Ou alors dame 3. Sachant que s'il prend là, il prend des gros risques parce que le problème est le fou. Dame 3, ça m'a l'air assez actif. Ça défend mon pion, ça menace dame F4 peut-être. Par contre, j'ai plus de fou G5 après. Des risques là, non? Je rêvais un petit peu de voir ce coup en fait. Peut-être qu'il peut faire cavalier B4. Comme là, c'est une fourchette complètement royale. Mais c'est qu'une menace, je peux la parer de plein de façons. Ok, ça c'est aussi probablement un bon coup, ce qui attaque mon pion. Donc là, si j'attaque sa dame, il peut peut-être jouer ceci aussi, ou même encore cavalier B4. Je développerai bien mon cavalier aussi, tout simplement, pour bien défendre, pour défendre le pion. J'ai un pion de retard. Hein. J'ai sacrifié un pion pour soi-disant attaquer. Donc si je joue cavalier D5, pas terrible parce qu'il va juste prendre. Mais si je joue dame F4 d'abord, le cavalier sera cloué. Mon pion est cloué aussi. Faut que je rock avant. Non, je joue KD5 à mon avis. KD5 ça a l'air sympa parce que ça attaque la dame, mais il peut juste prendre. D'accord, il met le roi là-haut. Au moins son cavalier n'est plus cloué. On va rocker. C'est pas une Simone case F4 pour la dame. S'il venait là. Envie de jouer KD5 maintenant. Ah non, parce qu'il prend tout simplement.
Cavalier G5 aussi était intéressant. Parce que ça menace de prendre en H7. S'il joue H6. Ouais, c'est pas si bien parce que H6. Qu'est-ce qu'on fait exactement après H6? On sait pas. On va peut-être revenir et jouer E5. Ou alors j'échange ici, prends. Il y a ma tour là. N'empêche, s'il fait un grand roc, il est tranquille. Hein. Madame va être complètement hors jeu. Ah non, il peut pas faire un grand roc, son roi a déjà bougé. Si jamais le cavalier bouge, je vais faire échec, il va bloquer, et puis je vais peut-être aller complètement de l'autre côté avec madame. Ok, le roi a peur. je mettrais bien une tour en face du roi maintenant. Mais laquelle? Dilemme, on va dire celle-ci, puisque celle-ci veut être en face de la dame. Maintenant, il y a forcément des choses qui marchent parmi... Bah, c'est probablement E5, c'est le premier candidat. Sauf qu'il s'en va. Cavalier ici a l'air bien aussi. Oula. Cavalier D5, s'il me prend, je le reprends avec des couvertes sur la dame. S'il me prend comme ça, je le reprends. Il y a une fourchette. Est-ce que c'est vrai ce que je raconte là? Parce qu'il va me prendre. Madame est défendue, donc c'est ok. Ah, j'ai plus le temps. Je pense en fait que s'il prend là, ça va juste faire des échanges. Je vais reprendre. Non, il y a une fourchette après. Pour échanger les dames, il y a une fourchette. S'il prend comme ça, je reprends là. J'attaque à la découverte sur la dame et à le cavalier. Ok. Je peux faire échec, je sais pas à quoi ça sert. Je gagne au moins un pion là, de toute façon. Alors, je récupère mon pion pour être plus précis, puisque j'en avais investi un. Je récupère pas grand chose pour l'instant. Mais c'est déjà ça. Ensuite, notre dame, je disais, elle a maintenant qu'il a fait un grand roc, même si c'est manuel, elle a envie d'aller complètement de l'autre côté de l'échiquier. Peut-être en passant par D4 pour attaquer un pion au passage. Pas lui laisser le temps de respirer.
7 secondes. Secondes, j'en ai pas énormément non plus du temps. Je peux pas faire l'enfilade parce que mon fou est pas protégé. Oh là là, il joue pas là. Oh, il est chaud. Comment faire? Maintenant je me suis joué fou à 3. C'est une menace un peu cheap si vous voulez, mais non, je me laisse plus vraiment. Mais comme il a plus beaucoup de temps, c'est le genre de truc que je peux peut-être tenter. Si j'ai pas de meilleure idée. Je sais pas quoi faire, à part échanger tout maintenant. Pousser mon pion, je peux plus. Bah maintenant c'est complètement égal. Ah, peut-être plus. Tiens, on va faire échec pour ne plus être cloué, sauf qu'on est quand même cloué parce que la tour est pas défendue en dessous. Donc on peut faire ça. Ça c'est bien, ça défend ma tour. Comme ça je peux au moins échanger mon pion. Sinon j'avais l'impression qu'il allait se faire capturer. Ok, pure finale de dame avec égalité de pion. On va centraliser. Est-ce qu'on centralise ? Tout de suite, notre pion est défendu. Ouais, puisque la structure idéale, ça serait de mettre un pion comme ça, le roi là, et notre dame sur la grande diagonale. Mais comme pour l'instant la grande diagonale est occupée, on peut pas. Donc on va jouer ça, on va attaquer ce pion. Tout en gardant notre défendu. Peut-être qu'il faut que je cherche que la nulle là parce que la sécurité du roi est. Alors il me donne un pion primordial. Ce qui est bien c'est que mon pion est protégé maintenant. S'il vient là et qu'il commence à embêter. Par exemple en venant là, il pourra pas prendre ce pion. Je disais ouais, chercher un nulle parce qu'il a une majorité de pions ici. Ouh. Sérieusement, échange de dames. Je pense pas que ça soit bon pour lui. Ah, peut-être qu'il arrive à avancer son pion. Si je viens là, il vient là, j'arrête pas le pion. Si je viens là, il vient là, je viens là, il vient là. Malheureusement, je crois que je perds la course. Non. En fait, il aurait dû prendre là. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que là, je fais promotion avec échec. Ce qui change tout. Je vais pouvoir échanger les dames. Et après, mon roi est mieux placé, je crois. Enfin.
c'est gagné, les gars. Il a proposé de faire une autre partie, mais là, faut que j'aille me coucher. On va revenir tout au début. Cette partie était vraiment intéressante. C'est bien de changer de temps en temps d'ouverture, d'ailleurs. Donc là, je me suis pas planté, c'est bien le meilleur coup. Après, j'ai pas réussi à obtenir un avantage, je sais pas quoi faire contre Dame 7. Là, j'ai plusieurs fois joué ça, mais... Oula, j'ai raté des choses. Les gens me répondent toujours au D6. Et Dame 7, c'est probablement moins bien. Quoique... D6... Plus 0,7, plus 0,6, dame 7, plus 0,8. Il fallait que j'échange les dames. Ça, c'est pas intuitif. Ah, alors il change d'avis. Il joue comme moi. Non, il rechange. Le truc, c'est que si on échange les dames, il y a surtout avec 2 cailles développées. Moi, 2 cailles développées plus un pion. Il sera à lui de jouer. C'est égal après. C'est vraiment pas... J'ai vraiment pas d'avantage à mon avis. J'ai quand même un avantage de développement léger, on va dire. Pourquoi il peut pas juste jouer D6 et développer son fou? Ah, parce que je commence à l'embêter là. Donc je vais perdre du temps avec ce coup là. Ouais, je vais peut-être l'embêter un petit peu encore. Ah, C2, c'était rigolo ça, j'avais pas vu C2. Là, j'étais plutôt content. Ouais, Dame F4, ça servait à rien finalement. Je pense. Rock, plus 1 quand même. Là, j'ai le réflexe d'enlever ma dame de l'alignement de sa tour, hein, donc forcément. Et l'ordi préférait tout de suite mettre une tour sur la colonne où il y a le roi et la dame. Normal. Qu'après ça s'est équilibré, j'ai pas réussi à obtenir davantage. Après, c'est moi qui étais moins bien, puisque finalement j'ai toujours un pion de retard. Et si j'arrive pas à attaquer, ben, ça sert à rien. Mais je récupère le pion. Maintenant c'est égal. On a 5 pions chacun. Là, je fais une connerie apparemment. Cavalier G4. Pourquoi c'était si bien? Ah oui, parce que si ma tour s'en va, il y a j'allais dire mat. C'est pas tout à fait mat quand même. Si ma tour s'en va. Attendez. Cavalier G4. Par exemple, je peux venir là quand même, non? Ah, il y a plusieurs menaces. Il y a aussi la menace de F2. Qui a en plus une fourchette. Et si je joue là et qu'il vient là. Ouh, ça va pas se finir bien. Ok. Pas mal. Mais il n'a pas vu. Il m'a rempli. Après, c'était égal. Je sais pas si ça c'était mieux aussi. Ouais, tout de suite enlever ma dame du clouage. J'étais à avancer. Ça c'était pas si bien puisque je suis quand même toujours cloué, le pion on peut pas prendre. Et donc là, effectivement, je gagne un pion déjà, c'est un peu mieux. Et ensuite, très surpris qu'il propose de changer les dames, mais j'ai manqué de technique puisque apparemment j'étais gagnant et j'ai laissé la victoire filer. G4, c'est pas intuitif parce que ça bloque progression. Pour moi, c'est plus G3 et F4 pour avancer, non? Pour percer. Alors, l'idée, c'est que G4, après G4, je joue H4, sans doute. Ça, s'il prend, ce pion là est passé. S'il prend pas, bah, je prends, il prend et je joue F4. Donc, je force le passage. Plus rapidement qu'en faisant comme ça peut-être.
quand même marcher, ça, non ? Hein, pas aussi bien. Ah si, c'est bien. Si je viens là... Ouais, c'est gagnant, là. Pourquoi j'ai pas juste avancé les pions ? À tous. À bientôt, salut.